On a deux victoires, une défaite contre un concurrent direct. Voilà, je pense qu'on a un bon groupe qui a envie de travailler et qui a fait des bons matchs. On a manqué de concrétiser contre Bordeaux, mais il y avait quand même du contenu, on a eu des occasions, donc on ne va pas se relâcher et on est toujours dans la course pour la troisième place, voire la place de Ligue des Champions. Donc on va continuer pour aller chercher la victoire ce week-end. Il vit très bien, les nouvelles, que ce soit les étrangères ou des Françaises, se sont bien intégrées. Franchement, c'est un groupe qui vit super bien. Et on sent quand même de la solidarité. Ça représente beaucoup parce que c'est quand même mon club de cœur. J'ai été formée ici, j'ai vécu mon début de carrière professionnelle, mes expériences en équipe de France, de Ligue des Champions. C'est quelque chose de fort. Après, le brassard, je le remercie parce que c'est quelque chose qui... C'est un rôle important et c'est quelque chose qui veut dire quand même beaucoup. Et voilà, en tout cas, je sais que la confiance qu'il peut me porter, en retour, je l'ai vers lui. Et donc voilà, c'est un rôle qui me tient aussi à cœur. Mais on est beaucoup dans le groupe qui peuvent tenir ce rôle. On est beaucoup de leaders et de cadres qui permet aussi aux jeunes de pouvoir les pousser au haut niveau. Ma relation, c'est une relation d'un coach à une joueuse. Après, il m'a vu grandir au sein du Montpellier Hérault. J'ai été là quand j'étais toute petite. Il m'a vu passer toutes les étapes de ma formation jusqu'au monde professionnel. Et puis, on s'entend super bien. Après, vis-à-vis du groupe, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre, qui est heureux d'être ici. Et puis, quand il s'agit de travailler, il est sérieux, il est rigoureux. C'est quelque chose qui nous va bien. Il va falloir qu'on se remette dans la compétition parce qu'un match le week-end sans jouer, c'est on va dire compliqué un petit peu à gérer, mais je pense qu'on est quand même en forme. On va mettre les ingrédients en termes de vivacité, d'impact physique et puis surtout devant le but, on va essayer de concrétiser nos occasions et puis essayer de donner le rythme parce qu'on est chez nous. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube du MHSC. Please click here to subscribe to the YouTube channel. Siguez au canal du MHSC no YouTube.